On continue avec le même petit jeu qu'on a fait avec les voyelles. Maintenant, on va voir la famille des consonnes. Donc, on va redire rapidement le nom de chaque consonne. Donc, on avait le vent, le zébulus, le monstre, le nez, le robinet, le chat, la fusée, la limace, le serpent et le jet d'eau. Je vous laisse bien les regarder, vous rappeler de chacun d'entre eux. Et puis, on commence le petit jeu de devinette. Donc, pour les parents, je vous rappelle qu'il faut mettre sur pause à la fin de la question, puisque après, je vais donner la réponse. Donc, il faut que vos enfants aient le temps de donner le nom de l'alpha. On commence. Elle fonce sur la planète des alphas avec petit malin sur son dos. C'est la fusée. Il aime le silence, il ne miaule pas. Il chuchote. C'est le chat. Il siffle et mord les bêtas. C'est le serpent. Elle a une longue langue et elle avance lentement. C'est la limace. Il fait peur, mais il n'est pas méchant. C'est le monstre. Il vibre et fait voler les alphas. C'est le vent. Il est bouché. Il n'arrive plus à faire couler l'eau. Et il ronchonne. C'est le robinet. Il fait jaillir de l'eau et inonde la planète des alphas. C'est le jet d'eau. Il est enrhumé et éternue sans cesse. C'est le nez. Il est zébré, il zozote et vole en zigzag. C'est le zébulus. Voilà, tu as trouvé tous les alphas consonnes. Alors, on redit le nom de tous les alphas. Le vent, le zébulus, le monstre, le nez, le robinet, le chat, la fusée, la limace, le serpent et le jet d'eau.